Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour faire le petit débriefing de la soirée Women Are Back avec Marina Rinaldi, qui était préparée avec Stéphanie Zwicky alias Big Beauty, qui s'est donc passée hier. Et hier c'était jeudi 10 octobre, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrais poster cette vidéo. Donc je vous mettrai ensuite des petits moments filmés, quelques photos de la soirée, enfin de la soirée. La pré-soirée, on va dire ça, parce que ça se déroulait entre 17h et 20h. Et moi, je suis partie à 19h parce que fallait que je rentre. Bref, je vais pas tout vous raconter dans les détails. J'ai trouvé ça vraiment super sympa parce que ce n'était pas réservé à la presse ou qu'à des grandes blogueuses influentes ou quoi. C'était vraiment ouvert, même justement aux lectrices du blog de Big Beauty. L'événement était ouvert et c'était vraiment très agréable. De pouvoir la revoir, parce que moi c'était pas la première fois que je la rencontrais, de pouvoir discuter avec elle, de rencontrer d'autres blogueuses, d'autres personnes, même des lectrices super bien lookées, enfin bref, vous verrez ça dans les photos et les vidéos. Voilà, d'avoir des échanges sur aussi bien la mode que sur Paris, sur voilà, la gastronomie aussi, on en a eu plein de sujets de conversation, c'était super agréable, c'était vraiment très très bien. Et voilà, on avait vraiment l'impression d'être important. C'est quand même une marque qui vend des vêtements quand même assez chers mais de très grande qualité. Donc voilà, il y avait vraiment tout le service qu'elle avait, c'est-à-dire on avait quand même quelqu'un qui nous apportait à boire, donc champagne ou jus d'orange, soda, ce qu'on souhaitait, et qui passait avec des petits plateaux, avec des petits fours, des petites bouchées, vraiment des trucs super sympas. On avait vraiment l'impression, voilà, c'est la Fashion Week pour le commun des mortels. Donc on a pu vraiment découvrir la collection, il me semble pas dans son ensemble parce qu'il y a certaines pièces que j'ai vues dans les catalogues que je n'ai pas retrouvées en boutique, donc il faudrait sûrement que je les demande, ou alors peut-être qu'elles étaient en fait en bas, je les ai passées, je les ai pas forcément vues parce qu'on était vraiment à l'étage, on était un peu tranquille. Et en partant, j'ai eu droit à mon petit sac, vraiment le petit sac de goodies où on se dit vraiment là waouh. En plus le sac Marina Rinaldi est très sympa. Alors moi je connaissais déjà la marque Marina Rinaldi, je suis déjà une cliente, je n'achète pas grand chose chez eux, hein. Je n'ai pas un budget illimité en fringues, vous le savez déjà, mais c'est vrai que souvent, enfin souvent, une fois, max deux fois dans l'année, pendant les soldes, je vais me faire un plaisir chez eux et je m'offre une belle pièce qui je sais va durer dans le temps. En plus, toutes les retouches sont comprises dans le prix. Enfin, c'est vraiment super sympa. Donc, désolée. Dedans, j'avais ce magnifique petit pochon. Voilà, avec ma étiquette Marina Sport. Et dedans, il y avait les différents catalogues de la nouvelle collection. Donc, il s'appelle Women Are Back. Et donc pour ça, ils avaient convié 12 blogueuses à Milan il y a quelques temps. J'essaie de vous trouver des photos, mais de toute façon, vous allez voir toutes les photos des blogueuses, vous allez sûrement en reconnaître certaines. Donc voilà, il y a eu un événement, je vous montre ça comme ça, les 12 blogueuses, l'événement à Milan. C'était pendant la Fashion Week de Milan. Et voilà, il y a Tanesha. Qui est Girl with Curves, que j'aime énormément, je suis sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que j'adore beaucoup. Il y a Gabi Fresh qui est très connue, bref, je vous listerai, je vais faire ce boulot pour vous, tous les liens des filles justement, des blogueuses, etc., tout autour du monde. Voilà, Tanesha, donc Girl with Curves, qui est vraiment trop belle, c'est vraiment... une fille que j'admire et j'aime beaucoup son corps, j'aimerais beaucoup avoir la même chose. Parce qu'elle a de très belles formes qui sont très bien faites. En plus en ce moment elle est enceinte, donc je vous dis pas comment c'est trop joli. Ensuite, alors ça s'appelle comment? La collection pré-automne, donc Body Vision, sur laquelle il y a en fait trois robes dans des matières... super près de la peau et super extensible, super agréable à porter. Lors de la soirée, Stéphanie portait cette robe là qui était vraiment superbe, et moi c'est plutôt la noire là qui me tente énormément, je la trouve sublime. Et si cette robe est en rouge à ce moment là, je verrai peut-être pour me la prendre parce que je la trouve sublime.
Et donc le catalogue Divine Curves avec vraiment les robes plus de soirée. Donc je vous montre ça rapidement. Sachez que les catalogues vous les trouvez en boutique. Et je vous invite vraiment à aller les regarder. Si vous passez devant une boutique Marina Rinaldi, juste n'ayez pas peur des prix ou quoi. Allez voir les modèles, allez les toucher pour justement vous rendre compte de la qualité. Et après, pourquoi pas essayer, même si vous n'achetez pas, au moins avoir le plaisir d'avoir de si jolies fringues. Il y a cette robe là aussi qui me plaît énormément. Voilà, avec les encarts au niveau au niveau de la taille, qui marque, qui fait vraiment une silhouette de dingue. Et je sais qu'elle existe dans d'autres coloris, parce que le vert c'est pas forcément mon coloris préféré. Mais voilà, il y a vraiment de superbes robes, assez simples, très très classe. Toujours dans des matières nobles, vraiment superbes, les coupes sont super bien faites. N'hésitez pas à aller voir Marina Rinaldi, à vous renseigner un peu et à faire surtout ça pendant les soldes. Moi je recommande vraiment les soldes, donc oui forcément on n'a pas forcément toutes les pièces, mais c'est quand même plus abordable, même si ça reste cher. Donc quand j'ai tourné un peu au niveau de la collection, j'ai repéré un pull qui me plaît beaucoup, de toute façon vous verrez la vidéo, un blazer où franchement je me dis celui-là je vais le mettre sur ma wishlist parce qu'elle est vraiment trop jolie, mais 279 €, je les ai pas. Voilà, un jean rouge assez fin, assez fluide, super sympa, et deux blouses, deux hauts avec de la dentelle, il y en a avec de la dentelle et des strass, enfin, vraiment superbes. Enfin voilà, j'ai vu de très belles pièces. J'ai pu échanger avec Jordan qui tient le blog À l'aurore je suis née. Donc je vous mettrai le lien de son blog aussi parce que je connaissais déjà son blog, mais de la voir en vrai, de discuter avec elle, ça m'a donné envie de vous la faire partager, même si je pense qu'elle est assez connue. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cet événement. Je vous laisse avec les photos et les vidéos. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous reviens très vite. Ciao ciao.
j'ai regardé les sacs qui étaient dedans. Le veste qui est ici. Vous n'avez pas bien voir, mais en fait, il y a des écarts avec les semi-cuir. Une veste qui me plaît beaucoup. Une chemise qui est là aussi, juste super sympa. Il y a cette jean rouge aussi qui me tente beaucoup. Voilà pour les principales pièces qui m'intéressent dans la collection pour l'instant.